Rapide, agile, mais surtout réactif, Iker Casillas était un gardien spectaculaire. Du haut de son 1m82, il était capable de réaliser des envolées exceptionnelles et de repousser n'importe quel ballon sur sa ligne. Le portier espagnol, également redoutable lors des séances de tir au but, était absolument imperturbable. Véritable patron sur le terrain, son leadership naturel a fait de lui un capitaine emblématique. C'est en effet brassard autour du bras qu'il a remporté ses plus beaux trophées. Retour en image sur celui qui pouvait créer des miracles. J'ai nommé San Iker. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Iker Casillas, né le 20 mai 1981 à Mostoles, une ville importante de la communauté de Madrid. Issu d'une famille modeste, il grandit paisiblement en compagnie de ses parents et de son petit frère, Unai. Originaire comme son nom l'indique du Pays Basque, Iker allait régulièrement voir des matchs de l'Athletic Bilbao. C'est en observant les joueurs qu'il développe une envie profonde de devenir footballeur, et plus précisément, celle de devenir gardien de but. Son père, convaincu de son talent, décide de l'emmener passer des tests auprès du Real Madrid. Le gamin réussit les épreuves avec brio et intègre les jeunes pousses madrilènes. Appliqué et à l'écoute de ses entraîneurs, le gardien espagnol démontre au fil des années tout son potentiel. Si bien qu'à l'âge de 16 ans, Joep Heynckes le convoque en équipe première pour affronter Rosenborg en Ligue des Champions. S'il restera malheureusement ce jour-ci sur le banc, le gamin de Mostoles, après de belles performances en équipe C, est de nouveau appelé. Mieux, titularisé. Pour son premier match en professionnel, l'espoir des Merengues affronte l'Athletic Bilbao. Une rencontre forcément émouvante pour lui et son entourage. Mais l'essentiel est ailleurs. Casillas réalise des débuts convaincants. 6 jours plus tard, il est cette fois-ci aligné dans le 11 de départ contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Le minot de 18 ans devient ainsi le plus jeune gardien à disputer un match de C1. Il contribue surtout au parcours flamboyant de son équipe sur la scène européenne. Après avoir éliminé Manchester United puis le Bayern Munich, le Real Madrid se retrouve en effet en finale face à Valence. 3-0. La victoire des Madrilènes est sans appel. La carrière de Casillas démarre à peine que ce dernier remporte déjà la plus belle des compétitions. Désormais titulaire, l'Espagnol continue d'impressionner son monde. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne et de la Liga, le portier semble poursuivre sa fulgurante ascension. Et j'ai bien dit « il semble », parce que la saison suivante ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Jugé trop irrégulier, le Benjamin est mis sur la touche au profit de l'expérimenté César Sanchez. L'enfant du Pays Basque ne se laisse malgré tout pas intimider. Il saisit même en fin de saison l'opportunité de redorer son blason. Le 15 mai 2002, le Real affronte en finale de Ligue des Champions le Bayer Leverkusen. Alors que la Casablanca mène 2-1, César Sanchez se blesse à 25 minutes du coup de sifflet final. Casillas entre en scène et offre un spectacle inoubliable. Grâce à ses 4 arrêts décisifs, il conserve l'avance de son équipe et permet au club de remporter une nouvelle coupe aux grandes oreilles. Désormais surnommé San Iker, il redevient avec cette prestation exceptionnelle un titulaire indiscutable. Une stratégie payante, puisque le gardien sera l'homme des futurs succès du Real. Vainqueur du championnat en 2003, 2007, 2008 et 2012, Iker Casillas devient le gardien le plus capé de l'histoire du club. Nommé 5 années consécutives meilleur gardien du monde, l'ange de Mostoles, devenu capitaine des Madrilènes après le départ de Raúl en 2010, est au sommet de son art. Néanmoins, à 32 ans, El Capi commence à montrer des premiers signes de faiblesse. Après un mauvais début de saison en 2012, son leadership est remis en cause. José Mourinho choisit de le placer sur le banc, au profit d'Antonio Adán. Une décision que Casillas peine à comprendre. Titularisé à seulement 24 reprises, la communication entre l'entraîneur portugais et le gardien espagnol est officiellement rompue. Si l'arrivée de Carlo Ancelotti un an plus tard lui redonne un peu de baume au cœur, il déchante rapidement lorsqu'il apprend qu'il ne sera utilisé que pour les matchs de coupe. En remportant une Coupe du Roi, mais surtout une 3e Ligue des Champions, Iker Casillas prouve qu'il a encore de l'énergie à revendre. Mais malgré ses efforts, les dirigeants continuent de le pousser vers la sortie. En 2014, après 725 matchs et 25 années à la Casablanca, Iker Casillas annonce son départ. Transféré pour 6 millions d'euros au FC Porto, le gardien de 34 ans souhaite écrire un nouveau chapitre à son histoire. Un pari qui sera réussi. Sacré champion à 2 reprises de Liga NOS, San Iker offre aux Dragons de remarquables saisons. En 2019, il atteint les quarts de finale de Ligue des Champions. Son équipe s'incline malheureusement face à Liverpool, le futur vainqueur de l'édition. Avec 152 matchs,
Il devient d'ailleurs le joueur qui a effectué le plus de rencontres en C1. Bien décidé à surpasser d'autres records, Iker Casillas est malheureusement rattrapé par son destin. Victime d'un malaise cardiaque à l'entraînement, il est opéré d'urgence à l'hôpital. Suite à cet événement tragique, il décide de mettre fin à sa carrière de footballeur. C'est officiellement le 4 août 2020 que le héros de Mostoles prend sa retraite. Si Saint Iker a marqué de son empreinte les deux clubs pour lesquels il a joué, il est également une légende au sein de la Roja. Appelé dès ses 15 ans en sélection de jeunes, il participe dès son plus jeune âge aux compétitions internationales. Il remporte notamment en 1999 la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Encouragé par ses performances en club, Iker est convoqué l'année suivante en équipe senior. À seulement 19 ans, le jeune espoir est titularisé lors d'un match amical contre la Suède. Appelé pour disputer l'Euro 2000, le gardien madrilène restera sur le banc tout au long de la compétition. Deux ans plus tard, Casillas est de nouveau convoqué, mais cette fois-ci pour le Mondial. Annoncé comme la doublure officielle de Canizares, il est finalement titulaire suite à la blessure de ce dernier. Sur sa ligne, il permettra notamment à la Roja de se qualifier pour les quarts de finale en arrêtant lors de la séance de tir au but deux pénaltys des joueurs irlandais. Au match suivant, l'ange de Mostoles réalisera une parade impressionnante, désignée comme l'un des plus beaux arrêts de l'histoire de la Coupe du Monde. Casillas acquiert ce soir-là l'amour et le respect de ses supporters. Malgré sa somptueuse performance, l'Espagne s'inclinera face à la Corée du Sud. Pour Casillas, l'essentiel est ailleurs. Il est désormais le gardien numéro 1 de la Roja. Malheureusement pour lui, son nouveau statut arrive au mauvais moment. L'Espagne peine à trouver un plan de jeu. Éliminé en phase de poule lors de l'Euro 2004, les Espagnols se font ensuite sortir dès les 8e du Mondial 2006. Pourtant, la Roja dispose de jeunes très talentueux comme David Villa ou Fernando Torres qui attendent simplement d'être encadrés. Luis Aragonés procède alors à un remaniement et pense qu'Iker Casillas est l'homme de la situation. En lui confiant le brassard de capitaine, la Furia Roja trouve progressivement un équilibre. En quart de finale de l'Euro 2008 contre l'Italie de Gianluigi Buffon, Iker Casillas va alors confirmer qu'il s'agit bel et bien du meilleur gardien du monde. En arrêtant les pénaltys de Di Natale et de De Rossi lors de la séance de tir au but, le capitaine de la Roja qualifie les siens pour la suite de l'aventure. Sacré champion d'Europe, ses cages resteront inviolées durant toute la phase finale de la compétition. Exploit qu'il réitérera d'ailleurs lors du Mondial de 2010. Avec son pénalty arrêté contre le Paraguay et ses face-à-face remportés contre les Néerlandais, Saint Iker et ses hommes ramènent la coupe à la maison. Figure emblématique du nouveau visage de la sélection, il devient même le premier joueur à soulever trois trophées internationaux d'affilée suite au nouveau succès de la Roja lors de l'Euro 2012. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a pasar, ¿no? Devenu à cette époque le joueur le plus capé de la Roja, il continue d'être titularisé malgré son manque de jeu en club. Mais toutes les belles choses ont une fin et l'histoire de Casillas avec l'Espagne se termine en 2016. Après une performance ratée lors du Mondial brésilien, Saint Iker est incapable de rivaliser face au nouveau gardien du moment, David De Gea. Non convoqué depuis, le jeune papa quitte la Roja des trophées plein les bras. Que ce soit en club ou en sélection, Casillas n'a plus rien à prouver. Doté d'un palmarès exceptionnel, le portier espagnol a pu accomplir tout ce dont il rêvait. Admiré par ses compères, il est sans aucun doute l'un des meilleurs gardiens de sa génération, si ce n'est de l'histoire moderne du football mondial. D'ailleurs, selon toi, qui est ou a été le meilleur gardien du monde? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!